Hector, t'es là? Ouais, je suis là. Ah! Ouais, viens voir. Ouais, j'arrive. Ah, viens voir, je suis super excité là. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je croyais que tu faisais une pause pour cet été là. Ouais, qu'est-ce que tu fous? Je suis assez fatigué après cette saison 5, mais j'ai plein d'idées là pour la saison 6. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu vas faire? Mon nouveau générique. J'ai des idées là. Ah! J'ai décidé de me mettre dans les clips de Michael. Bonne idée ou pas? C'est audacieux. Ouais, donc du coup j'ai fait une sélection de 5 clips de Michael un peu emblématiques et je vais essayer de trouver les plans les mieux pour pouvoir m'intégrer. Ah ouais, ça sera lesquels? Dans ce petit 89, donc ça c'est le truc à mon avis le plus simple, tu vois, donc ça va aller. Après je vais marcher dans la rue avec les dalles qui s'allument. D'ailleurs tu vois les deux fils, on pourrait les enlever, on pourrait te mettre en photo. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je sais pas, c'est du boulot là. Ouais, ça serait sympa, ça serait pour être sympa. Après on a le fameux lean smooth criminal, donc peut-être ce plan là ou peut-être un autre, mais bon j'aimerais bien faire le lean. Ça va être cool. Après, ça, c'est le plan, je pense, le plus ambitieux. Donc, je vais me filmer sur la Statue de la Liberté, comme ça. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment un truc de fou. Et après, pour finir, la séquence de la guitare cassée. Donc, là, il va falloir que je casse. C'est vraiment une guitare. Je vais vraiment casser une guitare. Non, mais là, j'ai eu une révélation cette nuit. Qu'est-ce que t'en penses, non? Je vais trouver une guitare sur le bon coin. Et puis, il va falloir filmer en contre-plongée. Il va falloir un gros fond vert derrière moi. Je sais pas comment on va faire encore. Ouais. Bon, voilà, c'était juste des idées comme ça. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi hein? Bah, je pense qu'on va partir en vacances et puis on va réfléchir à tout ça. Hein? Je vais me calmer, d'accord, mais j'ai hâte d'attaquer. Hein. Ouais, allez, let's go. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, journée de tournage et je suis sur le toit de ma maison. Alors surtout, ne refaites pas ceci à la maison. Je suis sécurisé. En fait, l'idée, c'était de tourner sur fond vert. J'ai acheté une structure pour mon fond vert, mais n'est pas assez grande pour faire ce que je voulais faire. Donc, il va falloir que j'accroche des cordes sur le toit de la maison. Allez, c'est parti, on y va. Nous sommes sur le toit, cette fois on y est. Il va falloir que je jette deux cordes jusqu'en bas pour pouvoir accrocher le fond vert. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire pour un plan de 2 secondes? Surtout ne faites pas ça à la maison. J'espère que tout va bien se passer. Et voilà, c'est bon, les deux petites cordes sont passées de l'autre côté du toit. Voilà, je vous fais un petit panorama. On a Paris à l'arrière. Voilà, on va pouvoir descendre et installer le fond vert. Vas-y, vas-y, tire sur le bleu. Voilà, encore un peu. Encore un petit peu. Voilà, top, c'est bon. Super, merci. Et voilà, ça y est, nous avons accroché le fond vert. Je pense qu'il y aura assez de hauteur pour faire le plan contre-plongée qu'on a décidé de faire. Enfin, bon, maintenant, il va falloir stabiliser la toile de chaque côté. Là, elle s'envole. Alors ensuite, pour réaliser ce plan, nous avons l'accessoire indispensable, une guitare. J'ai trouvé une guitare sur le bon coin qui était déjà bien abîmée, donc ne vous inquiétez pas, c'était pas une guitare qui servait pour jouer de la guitare. Donc un petit coup de bombe noir et argent, le tour est joué. À l'arrière, j'ai déjà pré-découpé, pré-cassé la guitare pour que la guitare, j'espère, eh bien, explose en 1000 morceaux. J'ai aussi préparer des petits morceaux que je vais remettre à l'intérieur pour que ces morceaux se libèrent au moment de l'impact. Voilà, voilà, donc on va faire la mise en place, je vais me changer et on va regarder ce que ça donne. Je sais pas parce que c'est dont t'as besoin. Donc tu le fais au ralenti, vas-y, enfin doucement. Ouais. Encore un coup là, vas-y. Toi, le but c'est que la guitare, faut pas que ça échappe le verre là. Oui, oui, et faut que ça tombe. Et oui, il faut la. Tu vois, vas-y. Et là, on est en bien contre-plongée là. L'arc de cercle. Voilà, c'est bien. Ouais. Voilà. Là, c'est assez coincé. On est d'accord? Ou pas? Ouais, écoute, j'observe. Je suis témoin. Voilà, tu vois, je ne sais pas. Et alors, je fais quoi là? Tu me guides pour me mettre à peu près de même angle. Tu sais, si je veux me tourner comme ça ou comme ça? Tourne dans. Non, c'est ton pied droit qu'il faut. Non, justement. Ouais, voilà, c'est plus comme ça, voilà. Comme ça. Là, on serait un peu plus. Voilà, c'est plus ça, un peu moins. Oui, bah là. On y va, quoi. C'est bon. C'est the ultimate. Alors, comme ça. Hein, je suis bien. Ouais, là, c'est bon, remonte gentiment, là, vas-y, hop. On verra le reste un peu qui va tout ouais. De toute façon, on peut pas faire mieux, on a tout. Comme ça. Par contre. Voilà, quand tu vas partir, tu dépasses le cadre du fond vert. Voilà, d'ici ça va, tu vois. Donc comment ça se passe maintenant? T'appuies pour que ça tourne. Non, mais attends, tu mets des lunettes quand même là. Quoi? Non, pourquoi? Mais attends, il faut pas que vous restiez là. C'est quoi, c'est une pause longue, comment on fait là? Tu vas le faire vraiment? Ça va tourner en rouge. Tu le fais de pour de vrai là? Oui, oui. On est prêt, hein. Ouais. Comme ça.
Attention, vous êtes prêts? Vous êtes là pour concocter le thème musical d'Hector Barjot, de son petit nom, le Barjotème, rien de plus simple. Tu commences par prendre un beat sur le TR-707. Tu ajoutes une basse au DX7. Poudre ça d'une petite guitare funky Steinberger. Et pourquoi pas une touche de vocoder? I always feel like watching it fall back home. Oh wow. Et voilà, je devrais jouer.
les amis, j'espère que ce making-of vous aura bien diverti. Avec cette vidéo, vous pourrez vous rendre compte du travail fourni pour réaliser 25 secondes d'image. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce projet qui me tenait vraiment à cœur. Tout d'abord, Adrián Castaneda, qui est en Argentine et qui s'est occupé de réaliser tous les décors qu'on voit en arrière-plan. Donc, il s'est chargé d'effacer Michael de ses fameux plans. Donc, très très beau travail. Ensuite, The Milky Runners au Canada pour m'avoir concocté une musique originale que j'ai vraiment apprécié dès la première écoute. Hectorette et Laurent pour m'avoir soutenu et participé à ce tournage. Et enfin, The Bad Moonwalker qui a réalisé la musique que vous entendez en arrière-plan de cette vidéo. Allez maintenant, le moment que vous attendez tous, vous allez enfin découvrir ce fameux générique terminé. Vous êtes prêts? Eh bien non, ce n'est pas encore pour aujourd'hui, il va falloir encore être un peu patient, mais c'est pour la bonne cause. Pour fêter avec vous le début de cette saison 6, j'ai décidé de vous faire un cadeau. Je vous propose de gagner un méga lot Michael Jackson que vous voyez maintenant à l'écran. Ce lot comporte 14 objets que j'enverrai aux gagnants du concours que j'organise. Pour participer, c'est très simple. Vous devrez être parmi les 5 premières personnes à commenter la vidéo de mon générique qui sera postée sur YouTube publiquement à une date inconnue. Pour être sûr d'être au courant de cette publication, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche qui vous avertira qu'il y a une nouvelle publication. Le gagnant sera tiré au sort parmi les 5 premières personnes qui auront laissé un commentaire sous la vidéo de mon générique. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo sera en ligne très prochainement, mais laissons durer encore un petit peu le suspense. Alors bonne chance! Encore un grand merci à tous de me soutenir et de me suivre sur YouTube. Tant que j'aurai l'énergie et la passion, je continuerai à faire des vidéos. Et comme le disait si bien Michael, the best is yet to come. Allez, salut !